What's up les petits potes, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau thread. Alors aujourd'hui les petits potes, on se retrouve pour un thread qui est vraiment flippant de ouf. Mais vraiment, quand je vous dis que c'est flippant, c'est que je tremblais pendant que je lisais, tu vois. Du coup aujourd'hui les petits potes, on va parler du Bloody Mary Challenge. Alors Bloody Mary, pour ceux qui connaissent pas, c'est la Vierge sanglante en fait. Voilà, là tu commences à flipper, tu vois. Pour l'instant ça vous dit rien, Bloody Mary Challenge, quand je vous le dis comme ça. Mais après vous allez comprendre et vous allez vous rendre compte en fait qu'on l'a tous déjà essayé en fait. Alors la légende de Bloody Mary en fait veut que lorsqu'on est devant un miroir dans le noir, éclairé par des bougies, et que l'on prononce 13 fois Bloody Mary, un visage de femme fait son apparition sur le miroir en fait. Ça y est, ça me dit quelque chose maintenant. Là t'as des vieux souvenirs de quand t'étais gosse, quand tes cousins ils te faisaient flipper. Et mon cousin quand j'étais petit il me faisait flipper avec ça. Je pleurais, oui je pleurais. Si vous voulez que je teste le Bloody Mary Challenge, commentez dans les commentaires avec le hashtag Bloody Mary Challenge. Et peut-être que dans une prochaine vidéo je testerai le challenge. Du coup bref, c'est parti pour la lecture du thread. Alors comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on va parler du Bloody Mary Challenge. Et on va parler de John qui a testé le Bloody Mary Challenge et qui a vu et filmé Bloody Mary. Donc surtout restez jusqu'au bout de la vidéo pour pouvoir voir la vidéo de quand John filme Bloody Mary. Alors pour commencer, John c'est un américain de 8 ans, tu vois, qui a une petite chaîne YouTube et qui décide de faire le Bloody Mary Challenge parce qu'un pote lui en a parlé en fait. Un pote lui en a parlé parce qu'il a vu des émissions sur ça, sur la télé, etc, etc. Donc son pote il lui parle d'un fantôme bizarre qui vient par un miroir, tu sais, le mec, le chinois il lui répond. Ouais, c'est un chinois américain qui parle arabe. Et donc une fois rentré de l'école, il va sur internet pour chercher des trucs, dans des forums, etc, etc, pour savoir comment faire le Bloody Mary Challenge en fait. Donc il voit toutes les instructions qu'il faut se mettre devant un miroir dans le noir et qu'il faut des bougies. Et bien sûr qu'il faut réciter Bloody Mary 13 fois. Et pour ceux qui auraient pas fait le lien un petit peu, tu vois, je sais pas du tout si c'est une coïncidence ou pas, mais il faut dire Bloody Mary 13 fois. Le 13 c'est un chiffre porte-malheur, vendredi 13, et la chambre au numéro 13, qui est la chambre dans un hôtel qui est maudite en fait à ce qui paraît, tu vois. En tout cas toutes les personnes qui ont dormi dans cette chambre numéro 13 sont mortes le lendemain d'y avoir dormi. Tiens, je sais pas si t'as compris, mais bref. Bref, John demande à sa mère des bougies pour faire le Bloody Mary Challenge, sinon ça va être un petit peu compliqué, tu vois. Mais sa mère elle trouve ça un petit peu bizarre, tu vois, que son fils lui demande des bougies. D'habitude il demande pas de bougies, je sais pas, est-ce que t'as déjà vu un gosse qui demande des bougies à sa mère? Non, ben voilà. Du coup sa mère refuse de lui donner des bougies. Donc John, ce qu'il décide de faire, c'est de faire le Bloody Mary Challenge sans bougie en fait, tu vois. Donc uniquement dans le noir devant un miroir. Au début il essaie avec la lumière allumée. Il répète Bloody Mary 13 fois devant le miroir. Bloody Mary, Bloody Mary, etc, etc. Rien n'apparaît dans le miroir. Du coup ce qu'il décide de faire c'est d'éteindre la lumière. Donc de le faire uniquement dans le noir en fait. Donc cette fois-ci il essaie avec la lumière éteinte. Et là... Là il stoppe la vidéo, du coup on sait pas du tout ce qui lui est arrivé, s'il s'est fait attaquer par Bloody Mary ou si il y a eu quelque chose juste après, tu vois. Mais la vidéo s'arrête ici. Du coup voilà les petits potes, comme je vous l'ai dit, commentez dans les commentaires hashtag Bloody Mary Challenge si jamais vous voulez que j'essaye. Ça c'est les trucs que j'aime pas, tu vois, les visages dans les miroirs, tout ça je déteste. Mais je me dis que ça pourrait être cool d'essayer ça, tu vois. Genre à moi ça pourrait faire flipper, ça fait un challenge sur la chaîne, tu vois. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, commentez hashtag Bloody Mary Challenge dans les commentaires pour que je fasse le Bloody Mary Challenge. Et puis voilà, si ce thread vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et de mettre un petit pouce bleu aussi parce que ça fait plaisir. Et puis moi les petits potes, je vous dis à la prochaine. Peace out et kiffez la vie.